بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعض بنيه وتلاميذ بنيه ممن حملوا هم الدعوة إلى الله، وقد جمعه الشيخ إبراهيم القرعاوي رحمه الله في هذا المجموع الذي سماه الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. On est toujours dans le livre de الواجبات المتحتمات, ce que tous musulmans et musulmanes se doivent de savoir, de ce qui leur sera posé comme question et tout, comme on avait dit dans les premiers cours, la majorité c'est tiré des livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab et de ses enfants, Abdurrahman ibn Hassan, de ses petits-enfants Abdurrahman ibn Hassan, de Sulaiman ibn Abdullah, ainsi que de leurs élèves tels que Cheikh Sulaiman ibn Sahman ou Ibn Mani'a ou ghayrihim. Et Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan, ainsi que d'autres a'immah rahimahumullah ta'ala. On avait dit que Cheikh rahimahullah, il avait commencé par la première risala, plutôt le premier recueil, on l'avait commencé. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Et c'était le dernier passage qu'on avait, ce passage-là était le dernier passage qu'on avait entamé la dernière fois, avec un peu plus d'explication, après s'être donné l'essence de Tawhid al-Rububiyya, de Tawhid al-Uluhiyya et de Tawhid al-Asma' wa-Sifat. On avait aussi donné quelques explications sur cette dernière parole, « فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي » On a rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui éduque les créatures. C'est pour cela qu'ils doivent revenir à lui. Il les éduque par ses bontés, et par ses examens qu'il leur donne et par ses épreuves qu'il donne à ses créatures pour les purifier de l'égarement que Shayatin leur a imposé. Ils les ont déroutés de Al-Fitra, de Al-Fitra qui est l'origine dans chaque cœur de chaque créature. Comme a dit Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ce hadith là au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque enfant qui naît, il naîtra avec l'origine de la foi, qui est la vraie foi, qui est l'islam. Sauf que après, c'est ses parents qui vont le traîner dans le judaïsme ou bien le christianisme, ou bien qui vont le rendre un mage parmi les gens qui adorent le feu. Et comme il est cité dans un autre hadith,
comme quoi toutes les créatures, ils ont été créées avec la vraie foi et la bonne foi, l'iman, l'islam, sauf que les shayatines, ils vont les dérouter, ils ne cessent de les éprouver avec des shubuhat ainsi qu'avec des shahawat, et ces deux piliers de l'égarement, les deux piliers de l'égarement et les deux sources. Celui qui ne s'égare pas dans les shubuhat avec les shubuhat, ils vont l'égarer avec ash-shahawat. Et celui qui ne s'égare pas avec les shahawat, avec les shahawat, il s'égarera avec les shubuhat. Et des gens, il y a d'autres qui sont les plus faibles, c'est ceux qui s'égarent avec shahawat. Et ils suivent les shahawat par les shubuhat, ou bien ils commencent par les shubuhat et par la suite ils continueront jusqu'à tomber dans le shahawat, ce qui forme la majorité des gens. Et il y en a d'autres, une autre catégorie, c'est ceux qui ne s'égarent pas ni par les shahawat ni par les shubuhat, et c'est ceux-là qu'Allah azawajal il a préservé, qu'Allah il nous rentre parmi cette catégorie-là. Non pas qu'ils ne tombent jamais, ils tombent, mais ils reviennent à la source. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khata, Kullu bani Adam khata, khayrul khata'ina at-tawwabun. Toute personne, tous les enfants d'Adam vont se tromper, ils vont glisser, et ils tomberont dans le péché, dans le contraire du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les meilleurs de ceux qui tombent dans cela sont ceux qui reviennent. Les meilleurs de ceux qui tombent dans cela sont ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala en se repentant. En se repentant. Naam. Walakin khayrul khata'ina at-tawwabun. C'est pour cela on a appelé et on ne cessera d'appeler au bon comportement avec ceux qui commettent des péchés ou bien ceux qui tombent dans des choubouhettes ou bien. Pourquoi cela? Parce que tant que la porte de la repentance elle est toujours ouverte, c'est pas du bien de durcir le temps avec eux. Parce que durcir le temps avec eux, ceci leur confirmera leur égarement. Ceci leur confirmera leur égarement et il aidera le shaitan en les déroutant. Il aidera le shaitan en les déroutant parce qu'il y a la faille, il y a l'erreur humaine qui est al-kibr, qui est al-kibr, l'orgueil, l'orgueil. C'est pour cela, adab al-nasiha plutôt, le conseil, prêter conseil à quelqu'un, ça se fait avec un adab et non pas ça se fait même avec la manière dure, l'essentiel c'est qu'on lui a dit la vérité. Maintenant, s'il veut suivre, qu'il suit, s'il ne veut pas, on n'en a rien à faire de lui. Non, ce n'est pas. Ça, c'est un discours qui est trop entendu, trop répété, et on dirait que c'est une sunna, alors qu'en vérité, c'est ça, l'égarement dans an-nasiha. L'égarement dans an-nasiha. Si tu n'es pas prêt, si tu es énervé contre cette personne-là, ne fais pas an-nasiha, ce n'est pas le moment de faire an-nasiha. Comme ce n'est pas le moment de faire le fatwa pour les fuqaha. Si les fuqaha et les ulama, ils ont été appelés à s'abstenir, à donner des décrets et tout, au moment de l'énervement, au moment de même que les ulama, ils ont fait un qiyas, ils ont étudié que le fait d'être énervé, ce n'est pas ça le motif qui leur interdit, mais le fait d'être déstabilisé mentalement, si on peut dire ça comme ça, parce que la personne, lorsqu'elle est trop énervée, elle ne peut se contrôler. Il est de même, le fuqaha, ils ont fait l'analyse, ils ont collé à l'énervement, ils ont collé à ça, être trop joyeux, hein, être trop joyeux, tel que celui qui a perdu sa chamelle et tout, qui avait tout son, sur laquelle il avait tout son ravitaillement, tout l'eau et tout. Après, il est parti sous l'ombre d'un arbre, il a pris une petite sieste. En se réveillant, il a trouvé que sa chamelle, elle avait pris le large, elle avait disparu. Il commençait à chercher partout, le désert, il cherchait partout, à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, aucune trace de sa chamelle. Après, il a perdu espoir. En plein désert, il a perdu espoir.
À ce moment-là, il s'est dit, je vais dans cette place-là, je vais m'allonger jusqu'à ce que je meure. Il est parti, il s'est allongé, il s'est endormi. En se réveillant, il s'est fait réveiller par le bourdonnement de la respiration de sa chamelle à son oreille. Après, il était tellement content qu'elle soit revenue à lui qu'il a dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, toi tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur. Il voulait remercier Allah en disant, moi je suis ton serviteur et toi tu es mon Seigneur, je te remercie pour ça. Mais il a dit le contraire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pour cela, Akhta'a min shiddati al-farah. Akhta'a min shiddati al-farah. De là les fuqaha et les ulama, ils ont dit, on ne fait pas. On ne donne pas de décret, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban. Que le juge ne juge pas lorsqu'il est en colère. Il sort de chez lui, il a des problèmes, il a des soucis conjugaux, sociaux, n'importe quel souci. Après, il vient, il voit une femme et un homme, ils viennent et ils se plaignent, ils ont une affaire, il doit juger entre eux. C'est sûr, il va juger soit à la femme, si le cas de cette femme-là il est similaire au sien, il va juger à cette femme. Et si l'homme ils ont été injustes envers lui, et il est similaire à lui, il va juger à cet homme-là. Non, non, le juge, il doit être au juste milieu, sans aucune pression ni rien du tout. Il nous est interdit de faire un nasiha à des gens si on est en colère. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté aussi le hadith, il nous a cité le hadith de celui qui était dans l'ibada, il ne cessait de faire des adorations et des invocations jour et nuit, et son frère, il passait son temps dans des délires. Il passait son temps dans des délires. Allahu ta'ala a'lam, quelle sorte de délire. L'essentiel, c'est que c'est des délires. C'est que c'est, il était dans la déroute, il était dans l'égarement. Et son frère, il ne cessait de lui faire un nasiha. Il lui disait, arrête. Reviens à Allah, arrête, repens-toi. Et un jour, il a dit à son frère, celui qui était sur la droiture, il a dit au pêcheur, il lui a dit, arrête, cesse ce chemin, cesse, change de chemin, prends la droiture, crains Allah. Après l'autre, il lui a dit, quoi, Allah, il t'a envoyé juge sur moi. Après, lorsqu'il lui a dit cela, ça se voit que celui qui était sur la droiture, il avait le cœur plein. Allahu ta'ala alam. Pourquoi? L'essentiel, c'est que lorsqu'il a entendu cette parole, Allah, il t'a envoyé un juge sur moi, tu restes collé à moi en train de me juger, cesse, arrête, arrête. Après l'autre, il lui a dit, celui qui était sur la droiture, il lui a dit, Wallahi, la yaghfirullahu lak. Il lui a dit, Wallahi, Allah, il te pardonnera jamais. Après, à ce moment-là, Allah, il a pris leur âme et il les a placés devant lui, subhanahu wa ta'ala, en face de lui. Et il a dit à celui qui était sur la droiture, il a dit, c'est qui celui qui jure en mon nom que je ne pardonnerai jamais? C'est qui celui qui prétend que je ne pardonnerai jamais à ma créature? Et il a dit au pécheur, va, je t'ai pardonné. Et toi, va, je suis en colère contre toi. Alors à ce moment-là, ça nous apprendra cela, à se retenir. Parce que lorsqu'on fait le nasiha, lorsqu'on fait l'amr bil ma'ruf, ou nahi an al munkar, on ne le fait pas pour notre compte, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit de le faire comme Allah il veut. Tu es au service. Tu es au service de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es présenté bénévole pour faire da'wa ilallah. Ne la fais pas comme toi, tu as envie, mais comme Allah, il le veut. Hada huwa, hada, ça fait partie de al-ikhlas. Ça fait partie de al-ikhlas, de faire la chose comme Allah, il veut, et non pas comme nous, on veut. Et de là vient la position de Ahl Sunnah, des gens de la bida, parce que les gens de la bida, ils font les choses comme eux ils voient, comme eux ils aiment, non pas comme Allah il veut, non pas comme Allah il a prescrit dans le Coran et dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, قلنا وإذا قيل لك ما دينك
وإذا قيل لك ما دينك؟ Et si on te pose la question, c'est quoi ton din? Comme le Cheikh Mohammed Rahimahullah, il a dit au début, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. À ce moment-là, lorsqu'il a répondu sur cela et tout, et on a expliqué la réponse avec un peu plus de détails, à la deuxième question, il a dit, وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا دِينُكَ. Et si on te pose la question, c'est quoi ta religion? La religion, déjà, il faut savoir que c'est tout un régime de vie. C'est tout un régime de vie. Ce n'est pas comme une explication ou bien une définition ecclésiastique ou bien évangélique, comme il est conçu chez beaucoup de gens, même chez beaucoup de musulmans. Comme quoi, la religion, ça reste dans le lieu de culte. Non. Ceci est une fausse définition, une fausse compréhension. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend et il nous donne la définition en apprenant à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la religion, ce n'est pas simplement la salat comme veulent ceux qui sont égarés du chemin et du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs, puis les chrétiens les ont suivis dans cet égarement, ils ont suivi le shaytan en voulant se libérer à leur dunya, en voulant se libérer à leur shahawat, à leur passion, à leurs ambiguïtés. Alors à ce moment-là, ils ont changé la définition de la religion, ils ont collé la religion au lieu du culte. Lorsqu'on sort du lieu du culte, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Non. Ça, c'est une définition qui est partie même se propager, même chez certains musulmans. Alhamdulillah, ce n'est pas tous les musulmans, mais certains musulmans. Ceux qui prétendent l'iman, beaucoup d'entre eux, ils suivent cette shubha et cette définition qui est fausse. Cette définition qui est fausse. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Beaucoup de ceux qui se prétendent croyants, ce sont en vérité des polythéistes. Ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, même s'ils prétendent qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font salat, ils font zakat, ils font sawm, ils font al-hajj. Mais dans le hajj par exemple, ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur vie, lorsqu'ils ont des problèmes, et on a parlé sur ce fléau, lorsqu'ils ont un problème, son bébé il est malade, il est mourant, il va chez Abd al-Qadir al-Jilani, ou bien il va chez Al-Aïdarous, ou bien il va chez Al-Badawi en Égypte, ou bien il va chez Abd al-Qadir al-Jilani, format 2, qui se trouve en Irak, ou bien il va chez Abd al-Qadir al-Jilani, qui se trouve à Tlemcen, ou bien il va chez Abd al-Qadir al-Jilani, qui se trouve à Alger, ou bien à celui qui se trouve à Ouagadougou, ou bien autre. Ou bien il va à Qabr al-Hussein, qui se trouve en Irak, ou bien à Qabr al-Hussein aussi qui se trouve en Syrie, ou bien à Qabr al-Hussein qui se trouve en Égypte au Caire. Wallahu ta'ala al-musta'an. Allahu al-musta'an. Les gens, lorsqu'ils quittent al-tawhid, lorsqu'ils quittent al-iman, ils descendent à un niveau, wallahu al-musta'an. On dira même que même les pires des gens, loin d'être dotés de connaissances, de raison, n'y arriverait jamais. Ça, c'est le résultat de shirk billah. Ça, c'est le résultat de shirk billah. Comme Allah Azza wa Jalla, il a donné l'exemple de la vie d'un mécréant, tel que le foyer de l'araignée. Beaucoup de personnes ne savaient pas. Avant, c'était comment le foyer de l'araignée, le régime du foyer de l'araignée. Après le contact entre le mâle et la femelle, lorsqu'elle met
au monde les bébés, l'araignée, la femelle. La première nuit, lorsque ça passe entre le mâle et la femelle, si la femelle, elle va retrouver le mâle, elle va se nourrir avec, elle va le manger. Et les bébés, s'ils naissent et éclorent, si un d'entre eux, il reste encore dans la toile, elle le mangera. C'est un foyer dévoilé à tout le monde. C'est un foyer complètement en perdition, aucun équilibre. Ça, c'est la vie des mécréants. Même s'ils s'embellissent par des apparences plutôt attirantes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafiloun. Ils connaissent que des apparences de cette vie d'ici-bas, mais eux, ils sont loin de voir et de reconnaître et de connaître la vie de Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhir. Le jour de la résurrection, ils sont aveugles de voir cette vérité-là. Mais même dans ce monde-là, ils ne voient que des apparences et ils ne connaissent que des apparences. C'est pour ça il ne faut pas glisser dans la connaissance à laquelle ils sont arrivés les mécréants. La connaissance à laquelle ils sont arrivés les mécréants, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le social, que ce soit dans beaucoup d'autres domaines, il ne faut pas trop glisser, ce ne sont que des apparences. Ce ne sont que des apparences. Quoi penser de quelqu'un qui a atteint un doctorat ou bien des études en médecine, et après, lorsqu'il urine, il ne se lave pas. Ou bien lorsqu'il se lave, il ne se lave pas les mains. Ou bien lorsqu'il fait des besoins, il s'essuie avec un papier et il part. Quelle science, quelle médecine, quelle hygiène? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alors il a dit, wa idha qila laka ma dinuk, ton régime de vie, ta conception de la vie. Wa idha qila laka ma dinuk, faqul dini al-islam. Mon dîn, c'est l'islam. Ma religion, c'est l'islam. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Beaucoup de gens prétendent l'islam. L'islam, on est musulman, c'est bien, ça c'est bien. Ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et après c'est bon. Comme beaucoup de questions sont posées et tout, et c'est sur la scène entre l'ulama, ils reçoivent jour et nuit ces questions-là. Pour celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, après il se contente de ça et plus rien d'autre comme islam. Celui-là, ce n'est pas un musulman. Comme il y a l'unanimité des savants, comme disent Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, et de nos jours, Cheikh Salah Al-Fawzan, l'ajna da'ima, que celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, puis il n'apporte aucune autre preuve de son suivi à l'islam, aucune adoration, celui-là, ce n'est pas un musulman. Celui-là, ce n'est pas un musulman. Du simple fait que l'islam ne se contente pas d'une formule à citer, et après aucun suivi, ou bien aucune conception, ou bien aucune compréhension de simples paroles qui se disent. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, moi, je suis pas un savant, moi, j'ai rien appris. Je sais pas, j'ai fait l'école française, je connais pas l'arabe. Et après ça y est. Pour lui, celui-là, c'est un musulman. Pour les Mordia, la secte de Mordia, certes, celui-là, c'est un musulman. Parce que pour eux, le musulman, l'iman, pour eux, c'est le fait de la conception de la parole, le fait de dire que je crois en Allah. Je crois en Allah. C'est une croyance que j'ai toujours ressentie au fond de moi. Celui-là, pour eux, c'est un croyant. C'est pour ça, Ahl-Sunna, ils leur disent comme quoi, pour vous, alors, Pharaon, c'est un croyant. Pour vous, alors, Shaitan, c'est un croyant, du fait que Shaitan reconnaît qu'Allah c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée, seule et unique. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la vérité. Et la vérité. Ce qu'il a ramené, c'est la vérité. Pharaon, il reconnaît que Moussa alayhi wa sallam, ce qu'il a cité, c'est la pure vérité. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Jahadu biha. Ils ont fait montrer devant les gens et tout comme quoi, non, on ne reconnaît pas. Mais ils ont la certitude, ils ont la foi au fond d'eux que c'est la vérité.
hein, au fond d'eux, ils reconnaissent que c'est la vérité, et c'est cela, at-tasdiq, la reconnaissance. Al-Murji'a, Al-Karamiya et autres sectes, ils disent que la reconnaissance de cette vérité, que Allah il est le seul et unique qui est la vraie divinité, et que ce qu'ont rapporté ces messagers, c'est la vérité, ceux-là, pour eux, c'est des croyants, si on suit leur définition de l'iman. Mais en vérité, l'islam, comme a dit le cheikh Mohammed ici, rahimahullah ta'ala, وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام لله بالتوحيد الإسلام c'est ça l'islam le vrai islam c'est ça c'est الاستسلام لله بالتوحيد la soumission à Allah par le tawhid. Déjà on est en cours et on a déjà su quelque chose sur le tawhid. Et avec les cours qui viennent, inshallah ta'ala, il y aura plus d'explications, inshallah ta'ala. Tout ceci, c'est le tawhid. Tout ceci, c'est le tawhid. Et tous nos cours dans ce livre-là regroupent le tawhid, inshallah ta'ala, avec plus de détails dans les cours qui viennent. On y viendra, inshallah ta'ala. Mais, l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par le tawhid. Reconnaître que toute adoration, on doit la donner. On ne doit l'attribuer que à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit prétendre la divinité que à Allah subhanahu wa ta'ala. Que à Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment cela fait-il? Les noms et les attributs divins parfaits, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu crois qu'Allah, tu dis, c'est Allah ar-Rahman. C'est Allah ar-Rahim. C'est Allah al-Qadir. C'est Allah al-Muqtadir. C'est Allah al-Salam. C'est Allah al-Mu'min. C'est Allah al-Muhaymin. Et lorsqu'on vient sur al-Hakam, normalement, Al-Hakam, c'est Allah. Tu dis, non, Al-Hakam, c'est notre président, ou bien notre gouverneur, ou bien... Non, les ulama disent, Inil hukmu illa lillah. Et ça, c'est inversé, ce n'est pas la parole des ulama. Mais les ulama, ils ne cessent de répéter cela. Mais la secte des Murji'a qui a brouillé l'aqida des muslimines, ils ne cessent de brouiller la vision des musulmans en contredisant ce qu'il y a dans le Coran, dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie et la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont brouillé aussi les propos des ulama en falsifiant plusieurs fois. Et ça, c'est une caractéristique chez Al-Murji'a, c'est qu'ils mentent et ils falsifient. Et les preuves sont présentes dans les livres de Ali Hassan Al-Halabi, Khaled Al-Ambari et autres. À ce moment-là, il brouille même les paroles des savants, tels que Cheikh Saleh al-Fawzan, ou bien tels que Cheikh Abdurrahman al-Barrak, ou bien tels que des grandes ligues de ulama, un ensemble de ulama, et ils osent brouiller les propos de ces ulama-là en falsifiant, en tirant des morceaux, en délaissant des autres, comme il est cité dans la réplique de l'Ajna al-Da'ima sur les livres de Ali Hassan al-Halabi, de Khaled al-Ambari, de Mourad Choukri et de beaucoup de ceux qu'ils ont suivis, tels que Moussa Nasr Mashour Hassan, et ceux qui ont suivi cette lancée-là en revivifiant la aqida de l'Murji'a, que les salaf al-Salih, rahimahumullah, ils disent que c'est la pire des bid'a qui ont existé dans la communauté musulmane. La pire des bid'a, c'est la bid'a de l'Murji'a. Même que certains d'entre eux, tels que Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, si je me rappelle bien, et c'est un des grands imams de Tabi'in, il disait que l'effet de l'Murji'a, l'effet de l'aqida de l'Murji'a, elle est plus néfaste que leur nombre en khawarij, en azariqa, plus exactement ce qu'il a dit. Pourquoi cela? Parce que al-murji'a, ils défendent
ceux qui ne pratiquent pas de dîn. El Khawarij, ils défendent ceux qui pratiquent le dîn. Ils le défendent injustement, contraire à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils défendent Allah et le droit d'Allah, non pas comme Allah il veut, mais avec leur bid'ah. Ça, c'est le Khawarij. Mais Al-Murji'ah, ils défendent ceux qui sont contraires à Allah, ceux qui suivent les passions et ceux qui suivent l'ambiguïté. Ceux-là, ils sont défendus par Al-Murji'ah. C'est pour cela, Al-Murji'ah, ils ont laissé l'islam, ils ont laissé l'islam comme un tissu de soie, comme un taub sabiri. Ou comme a dit, rahimahum Allah ta'ala, c'est un vêtement très, très fin, même que si tu le portes, on verra même les traces de ton corps à travers et tout, tellement il est fin. Alors, Salaf rahimahum Allah, ils ont dit que le Murji'ah, ils ont laissé l'islam comme un taub sabiri, comme un vêtement que si tu le portes, c'est comme si tu ne portais rien du tout. Ils ont laissé l'islam si fin, comme si c'était ce vêtement-là. Et ce vêtement-là, il était connu comme quoi il était porté par des gens qui manquaient de mœurs, qui étaient dans l'égarement. À vous de savoir leur nomination. Bref, en tous les cas. فقال ديني الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد. C'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Toute chose qui appartient à Allah, on doit la donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on donne l'exemple de... on a cité l'exemple de l'hukm, ceci ne veut pas dire comme quoi on explique le tawhid par le hukm, mais on dit que le tawhid, il comporte beaucoup de choses. Parmi les choses, il comporte l'ibada, le dua, le khawf, le raja, mais aussi le hukm. Ce que les murji'a, ils ont voulu dire comme quoi, celui qui dit que le hukm fait partie de tawhid, celui-là c'est un des khawarij. Alors que non, celui-là il n'a fait que dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, in al hukmu illa lillah, amara alla ta'budu, après avoir cité le hukm, il a appelé le hukm, ta'budu, ça veut dire le hukm c'est une ibada lillah, ibadatun lillah. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ils ne seront considérés croyants que lorsqu'ils te rendront et te qualifieront comme quoi c'est toi qui gères leur souci et c'est toi qui gères leur gouvernera et c'est toi qui gères leur code civil et tout ce qui est code et tout ce qui est pénalité et tout, ils reviendront à toi. Lorsqu'ils reviendront à toi, à ce moment-là, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أَوَّلًا التَّحْكِيمِ. Premièrement, ils te considéreront, c'est toi leur gouverneur. C'est la législation que tu leur as ramenée, c'est ça la vraie législation. C'est ça l'iman, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Ça, ce n'est pas un khariji qui parle. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle. Ce n'est pas un khawarij. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle du fait de suivre la sharia et non pas de suivre n'importe quelle autre chose. Alors, quoi penser? Non pas de suivre les patients, mais de suivre les kuffars, al-mushrikoun, min al-yahoud, wal-nasara, comme disent nos ulama, tels que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, on suit les Anglais, ou bien on suit les Français, ou bien les Américains. Quoi penser? Quel iman il reste pour un mu'min qui prétend l'iman? Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Tous ces versets-là parlent de quoi? Ils parlent de quoi? De l'hukm. Cela veut dire que l'hukm fait partie de tawhid. Même que ce hukm-là, si tu ne le fais pas, tu feras partie des mushrikin. Parce que tu auras suivi quelqu'un d'autre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu auras suivi quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que ton tawhid, il n'est pas parfait, il est nul, il est rejeté.
Avec des détails, comme ça, d'autres, ils vont pas dire comme quoi on généralise ça. Non. Celui qui reconnaît l'islam et qui suit la charia islamique, tel qu'en Arabie Saoudite, par exemple, celui qui suit la charia islamique, celui qui suit l'imam, celui qui suit l'ulama, ceux qui éveillent sur les versets et ouvrent les yeux sur ce que Allah il a voulu de ses créatures, ils suivent l'ulama. Et ils te disent, ce qu'Allah il a voulu de nous, c'est ceci. Alors, eux, ils appliquent ça. Celui-là, celui qui fait ça, il prend ça comme législation à Sharia. Après, il tombe dans un sujet. Après, dans un sujet, il a un souci du fait qu'il a peur de quelqu'un et tout. Il vient, il lui dit, je t'avais rendu un service la dernière fois, alors c'est à toi de me rendre l'ascenseur, comme ils disent. À ce moment-là, il lui donnera un jugement dans son affaire à lui. Spécialement, qui déroute de la charia islamia, qui contredit la charia islamia, tout en reconnaissant au fond de lui comme quoi il a commis une erreur, il a commis un péché, comme quoi il a transgressé. À ce moment-là, avec cette reconnaissance, à ce moment-là, cette personne-là, elle aura commis un grand péché, elle aura commis du kufr, elle aura commis du kufr, mais elle ne sera pas considérée kafir. Pourquoi? Parce que il reconnaît au fond de lui et il l'applique au fond de lui à Sharia al-Islamiyya, sauf que dans une affaire, il a eu peur de cette personne-là. Ou bien dans une affaire, sa fille, elle est tombée dans un péché tel que le vol. Alors, pour lui éviter que sa main soit coupée, alors à ce moment-là, il falsifie le dossier ou bien pour détourner le jugement. Mais au fond de lui, il reconnaît Sharia al-Islamiyya, il applique à Sharia al-Islamiyya. Tel était le cas des califes à travers les siècles qu'ils ont gouverné les musulmans et que les Khawarij voulaient combattre, ils voulaient faire le Khuruj contre eux. Ces califes-là, que les Khawarij voulaient faire le Khuruj sur eux et voulaient se révolter contre eux, ils appliquaient la charia. Ils appliquaient la charia, ils faisaient l'ahkam, bil kitab et wa sunna, bi aqwal al-ulama. Ils suivaient le maximum. Et si tu transgresses, ils appliquent sur toi la sentence requise pour ton cas. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des erreurs. Ceci ne veut pas dire qu'il ne dérapait pas à droite, à gauche. À ce moment-là, salaf, lorsqu'ils disent kufr duna kufr, c'est dans ce cas-là où le gouverneur il applique la charia, mais dans une affaire ou deux, alors il déroute, ou bien il falsifie, ou bien. Si tu viens toi et tu n'as aucune relation avec lui, il ne te connaît pas et tout, même si tu donneras des pots de vin, peut-être il va t'emprisonner encore plus en appliquant charia sur toi parce qu'il n'y a pas la passion de ce juge-là. Il n'y a pas de la passion et il n'y a pas de la peur de ta personne et il n'y a pas de ceci et il n'y a pas de cela. Mais une personne qui déroute, c'est comme une personne, plutôt il a commis un péché. C'est comme si une personne, elle a commis un péché. Cela ne veut pas dire qu'il légitime la zina. Cela ne veut pas dire qu'il légitime le fait de fumer une cigarette ou bien quelque chose d'autre. Cela ne veut pas dire qu'il légitime le fait de boire de l'alcool s'il l'a bu une fois en reconnaissant qu'en quoi il était dans l'erreur. Mais ce n'est pas un régime dans sa vie. Mais quelqu'un qui a un régime dans sa vie, celui-là n'est pas pareil. Celui-là n'est pas pareil. Et c'est ça la définition des ulama à calculer parmi le Cheikh Ben Baz, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le Cheikh Salih Al-Fawzan, Al-Lajna Da'ima. Tous les ulama, alhamdoulillah, ils sont de notre côté et de eux-mêmes qu'on a pris cette aqida, mais Al-Murji'a, ils veulent autre chose que cela. Ceux qu'ils ont voulu forcer la foi des croyants et des mu'minines en falsifiant les fatwas, tels que Ali Hassan et Khaled Al-Ambari et autres, ceux qui ont voulu faire cela, ils se sont vus afficher devant tout le monde par des décrets de l'Ajna Da'ima, de l'interdiction et l'illicité de vendre leurs livres, d'acheter leurs livres, de transmettre leurs livres, de se partager les idées. Pourquoi? Parce que leurs livres comportent une autre aqidah que aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est aqidat al-Murji'a, ainsi que la falsification et le kadhib, le mensonge sur l'ulama, en forçant les textes des ulama, en découpant
et en cachant quelques passages qui ne seront pas favorables avec leur foi tordue. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. On y reviendra inshallah ta'ala avec plus de détails inshallah ta'ala avec plus d'argumentation sur ce qu'on a parlé. وهو الاستسلام لله بالتوحيد. C'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Et la personne, plus elle reconnaît, plus elle connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala, plus le tawhid s'enracinera en elle. C'est pour cela les ulama, ils ne cessent d'inciter les gens à apprendre le tawhid. Et la meilleure manière, c'est d'apprendre la sirah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de l'apprendre aux enfants. Aux filles, aux garçons, avant de se coucher, de leur apprendre quelques histoires, quelques passages qu'on choisira pour eux, inshallah ta'ala, des passages qui sont en relation avec leur vie journalière, avec leur morale, inshallah ta'ala, on choisira toute la sirah, elle est à apprendre. Mais on saisit les occasions, on saisit les événements de la journée et tout, à leur sortir comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les sahaba radiyallahu anhum, avec même avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il s'est comporté avec eux, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela nous poussera à enraciner, poussera le tawhid à s'enraciner dans nos cœurs. Al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par al-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. D'accord, on s'est enraciné le tawhid dans nos cœurs. Est-ce que ça reste sans acte? Non. Du fait que si la sincérité de tawhid, d'avoir unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes et ses noms et ses attributs, dans sa divinité, dans sa seigneurie, ceci poussera la personne forcément, non pas tu aimes quelqu'un, mais après s'il vient chez toi et tout, tu dis « Oh, j'ai pas envie de le voir ». Pourquoi ? Parce que je sais pas, parce que je l'aime beaucoup. C'est incohérent. Il est de même lorsque le tawhid s'enracine dans les cœurs, à ce moment-là, on se voit obligé d'œuvrer. On sera obligé de fournir des œuvres. Et parmi les premières œuvres, c'est les piliers de l'islam. As-salat, as-zakat, as-siyam, al-hajj, le pèlerinage, l'aumône obligatoire, le pèlerinage, la prière, hein. Tout ceci, on se verra obligé de le faire. Et plus, ça s'enracine encore plus, à ce moment-là, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et mon serviteur, il ne cessera de s'approcher de moi avec les actes surérogatoires plus que les actes obligatoires et les piliers de l'islam. Il ne cessera de s'approcher de moi jusqu'à ce que jusqu'à ce que je l'aimerai. Et si je l'aimerai, qu'est-ce qui se passera si je l'aimerai? Si je l'aimerai, à ce moment-là, ce hadith-là, il est plus connu chez les ulama par hadith al-wali, le hadith du saint, comment devenir un saint. Et à ce moment-là, si Allah, il t'aimera, parce que tu as aimé Allah, plus tu l'as aimé, tu n'as cessé de fournir des œuvres de toi-même. Que quelqu'un qui te verra de loin, il verra beaucoup ta ibada, tu fournis beaucoup d'ibada, il croit que tu es en train de te faire du mal. Alors que plus toi tu es en train de faire, tu te sens constitué dans l'univers en train de voguer. Enfin, à ce moment-là, les gens ne comprennent pas ça. Nous, lorsqu'on se rend compte et on entend que l'imam Ahmad, rahimahullah, il faisait 300 raka'at par jour, on va dire, mais pourquoi il fait ça? Il fait du mal, ou bien quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui ne sait pas. Mais l'imam Ahmad, rahimahullah, ainsi que ceux qui l'ont suivi dans ça, sahaba, radiyallahu anhu, tabi'in, atba' al-tabi'in, ceux qui ont suivi la piété, ils ont goûté à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils ont su qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le bien, c'est la source du bien. C'est lui qui te rend ta vie délicieuse. Tu goûteras à la vie. Comme il disait Abdullah ibn al-Mubarak, « Innana fi halawatin min al-aish,
لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. Il disait Ibn al-Mubarak ou autre, rahimahullah, il disait, on est en train de goûter un de ces goûts dans la vie que si les rois et les fils du roi savaient qu'est-ce qu'on est en train de goûter, ils nous combattraient avec leurs épées pour nous la retirer. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Ibn al-Mubarak? Il donnait de l'argent sans cesse. De ses poches, il sortait et il donnait aux pauvres. Il ramenait des pauvres chez lui. Et les histoires de Ibn al-Mubarak, ça ne cesse pas. Tellement que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, lorsqu'il a fait la biographie de l'imam Ibn al-Mubarak, lorsqu'il a terminé, à la fin, il a dit « Wa ushhidu Allah anni uhibbuhu fillah ». L'imam al-Dhahabi, il a dit « Je témoigne à Allah que je l'aime en Allah, que j'aime Ibn al-Mubarak en Allah ». Pourquoi il l'aime? Parce que les cœurs se ressemblent. Les cœurs se ressemblent et ils s'assemblent autour d'eux, l'amour en Allah, autour d'eux, at-tawhid, autour d'eux, at-tawhid. Rien n'équivaut à Allah. Rien n'équivaut à Allah. Par contre, ceux qui ont leur tawhid farfelu, qui ont leur tawhid perdu, tels que le murji'a et autres, et ceux qui suivent les passions, et ceux qui sont recouverts d'ambiguïté, ceux-là, ils équivaut à Allah d'autres choses, d'autres personnes. Sont responsables du boulot, ils le craignent comme s'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pire, parce qu'à Allah, il commet des péchés en ce qui concerne les droits d'Allah. Mais lorsqu'il est au boulot, c'est au millimètre près. Même la pause café, il ne la prend pas. Même la pause café, il ne la consomme pas. Il préfère continuer le travail. Peut-être que le patron et tout, il a placé des caméras. Peut-être il est en train de nous voir et tout. J'aimerais bien qu'il me voie, que je suis sincère, que je fournis des efforts, que je travaille pour lui, que je suis dévoué à lui. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va me donner un poste meilleur. Même s'ils ne donnent pas un poste meilleur, ne serait-ce que « A'udhu Billah ». C'est quoi cette mentalité? Ça, c'est un cœur de quelqu'un où le tawhid, il est malade. C'est ce qu'on peut dire le minimum. C'est qu'il est malade. Il a besoin de guérison. Il a besoin d'être traité. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit « Plus il y a de la peur des choses dans cette dunya, s'il y a de la peur des choses dans cette dunya, c'est par le manque de tawhid. C'est par le manque de tawhid. Naam. Fa qal huwa al-istislam lillah bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-inqiyad lahu bit-ta'ah وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ. Si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et tu as ton tawhid ici enraciné, tu te verras obligé de t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je m'approche? J'ai envie de m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? C'est l'adoration. À commencer par salat, al-zakat à son moment, al-hajj à son moment, si tu as les moyens. Al-siyam à la venue de Ramadan. C'est qui te voit? Si tu es rentré à la cuisine, si tu as mis quelque chose dans ta bouche, si tu as pris une gorgée d'eau, qui te voit dans cela? C'est ton tawhid. C'est ton tawhid qui te laisse rentrer dans la cuisine. Tu vois ta soda bien fraîche, tout en sueur de glace, et tu ne la prends pas alors qu'il fait 40-45. Et il est 15h, il reste jusqu'à 20h ou bien plus, comme vous en France, les horaires. Qui t'empêche de prendre cette gorgée? C'est ton tawhid. Il y a bien des personnes qui rentrent en cuisine et tout, ils voient s'il y a l'ombre d'une personne qui arrive, alors ils continuent dans le tawhid. S'il n'y a personne et tout, hop, ils boivent une gorgée. Et après, tu le verras en train de jouer, en train de prendre les enfants, et il court à droite, à gauche, en pleine vivacité et tout. Pourquoi? Parce que le tawhid, il n'est pas là. Plutôt, même s'il est là, il est faible. Il n'est pas assez fort pour porter la peine de siyam, ainsi que salat, ainsi que le hajj. Lorsque tu pars au hajj,
Quelqu'un te donne un coup d'épaule, hein, ça démarre au quart de tour. Pourquoi cela? Parce que le tawhid, il est faible. Le tawhid, il est daïf. Il n'arrive pas à surmonter cette pente de patienter sur le mal des gens, qui te parvient des gens et qui te parvient de tes frères et de tes sœurs. Une femme, une vieille, une grosse, peut-être, elle vient, elle te pousse, prendre ton tawaf et tout. Et toi, tu tenais à peine, tu as dit, il me reste, à peine j'ai fait le premier tour, subhanallah, après une vieille, elle vient, hop, elle te pousse et tout. Comment? Et la sœur, elle se fait marcher dessus pendant le tawaf, ou bien elle se fait marcher sur son djilbab et tout. Comment? Elle dit, wallah, j'ai la haine, je savais pas que c'était comme ça. Si je savais, je serais resté, je serais maintenant à Lyon, ou bien à Paris, tranquille chez moi, avec ma oui, ou bien avec un truc. Tranquille, sur mon sofa, sur. Non. Pourquoi ça? Parce que le tawhid, il a besoin, il a été abandonné. Il a été laissé à lui-même. On ne peut pas le laisser à lui-même. Si on n'avance pas, on recule. Il n'y a pas le stationnement juste au milieu. Il n'y a pas le stade stagné. Il n'y a pas. Ça n'existe pas dans le iman. C'est soit tu avances, soit tu recules. Soit tu avances, soit tu recules. Si on abandonne le tawhid, on ne s'attend pas à ce qu'on verra des miracles. On ne s'attend pas à ce qu'on verra des miracles. Même si on le fait parfaitement, on ne s'attend pas à ça. Même ceux qui font, même ceux qui, les karamates, sortes de miracles et tout, ils se passent sur leurs mains et tout, ils exercent des choses qui dépassent la réalité et tout. C'est ce qu'on appelle al-karamat. Ça fait partie de l'aqidat al-sunna wal-jama'a. Ceux-là, ils n'ont jamais demandé à ce que ça exerce. Ils ont travaillé leur iman jusqu'à ce qu'ils peuvent faire des choses. Non, on n'est pas en train de jouer à des jeux de je ne sais quoi. Non, tous ceux qui ont réalisé des actes qui on ne peut les placer autrement que dans le stade des karamates, tout cela, ils n'ont pas travaillé leur iman pour ça, pour arriver à ce stade-là. Mais c'est Allah qui leur fait exercer des choses comme ça. C'est une preuve que c'est un vrai allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah il fait des choses, même peut-être même pour éprouver cette personne-là qui a réalisé ces choses-là. Et ça, bien sûr, on ne cessera de s'approfondir dans les détails. L'inqiyad lahu bitta'a, al-ibada. الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. Comme il disait عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه lorsqu'il s'est fait agresser avec un couteau rempli de venin et tout, de poison, lorsqu'il s'est fait agresser lors de salat par un mage qui s'est fait passer pour un croyant, et pendant salat, il a planté son couteau dans le dos de Omar radiallahu anhu. Ça faisait tellement mal, le poison, il s'est tellement infiltré qu'il a perdu connaissance. Ils ont traîné Omar radiallahu anhu jusqu'à sa chambre. Après, ils voulaient le laisser éveiller. Ils voulaient laisser Omar éveiller pour qu'il ne perde pas connaissance, pour qu'il ne s'approfondisse pas dans le coma, et après il va partir. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont essayé maintes fois de le réveiller. Ya Omar, réveille-toi, ne te laisse pas aller. Ya Omar. Après, un qui connaissait Omar, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous voulez le secouer? Vous voulez le secouer pour le réveiller? Il n'y a pas pire que la salat. Dites-lui salat, ya Omar. Après, ils ont dit salat, salat, ya Omar, as-salat. Après, il s'est réveillé. Il leur a dit la première des choses. Est-ce que le mu'minoun, ils ont fait salat? Est-ce que les gens, ils ont fait salat? Est-ce qu'ils ont fait leur salat? Omar radiallahu anhu. Est-ce que les mu'minoun, ils ont terminé la salat? Ils lui ont dit, oui, ya Amir al-mu'minin, naam, ils ont fait salat. Il leur a dit, alhamdulillah. Il leur a dit, alhamdulillah. Parce que il ne reste aucune trace de l'islam pour quelqu'un qui ne fait pas de salat. Il leur a dit, لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Il n'a aucun pourcentage.
il n'a aucune action dans l'islam, celui qui ne fait pas la salat. Et ça fait partie des adillah. Ala kufr tarik as-salat. Ça fait partie des preuves de ceux qui disent que tarik as-salat est kafir, kharijun min al-islam. Et ça, ce n'est pas la parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, mais c'est le consensus des sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Personne d'autre que les sahaba, radiallahu anhum, à leur époque, ne considérait tarik as-salat musulman. Personne d'autre ne le considérait musulman. Comment il le considère musulman, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été clair dans ce sujet-là. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. العلماء ils ont dit, alors s'ils ne font pas salat, ce n'est pas nos ikhwa fi din. C'est clair et évident. Qu'est-ce qu'il y a plus clair que la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? العهد الذي بيننا وبينهم. Le serment qu'il y a entre nous et eux, les musulmans et les mécréants, as-salat. La chose qui distingue entre nous et eux, c'est la salat. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Et Abdullah ibn Shaqiq, l'imam al-Tabi'i, il a rapporté, selon Sahaba radiallahu anhum, il a rapporté le consensus des Sahaba radiallahu anhum, il a dit مَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعُدُّونَ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرْ مِتْلَ الصَّلَاةِ. Il ne considérait rien qu'on délaisse que c'est une mécréance, si ce n'est la salat. Et ainsi les propos d'Abdullah ibn Mas'ud dans le sujet, et tous les sahabas. En tous les cas, il n'y a aucune parole d'un autre sahabi, ou bien d'une sahabiya, que tariq al-salat, il est muslim. Et certains, ils ramènent des hadiths, tels que celui qui vient yawm al-qiyama, et il aura le temps, il viendra le temps où il y aura des personnes qui ne connaissent que Allah, Allah, que cette parole-là de l'islam. Ils ne connaissent que ça comme islam. Et ça, ce n'est pas une preuve du fait qu'on n'est pas dans cette époque-là. Pourquoi ramener ce délil-là? Et comme celui qui vient, yawm al-qiyama, lam ya'mal khayran qat. Tous ces hadiths-là qui sont cités, comme quoi c'est des arguments, comme quoi tu peux ne pas faire salat et tout, tout cela fait partie des hadiths-là de l'murji'a. Tout cela fait partie de l'adilla de l'murji'a. Même que Cheikh Salih al-Fawzan, qui est imam min a'immat salafiyyin dans notre époque, il dit que celui qui s'argumente avec ces délits-là, ça c'est l'argumentation des gens de l'égarement. L'argumentation des gens de l'égarement. Plus exactement en arabe, il a dit « Hada stidlal ou ahl al-zayr ». L'istidlal de Ahl al-Zayr. Ahl al-Zayr, c'est les gens de l'égarement qui suivent les ambiguïtés, qui suivent les passions. Al-Qiyadu lahu bitta' wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlih. Et le fait de se désavouer des mushrikin. Ça fait partie aussi de notre din. C'est l'istislam, c'est le fait de se soumettre à Allah par al-Tawhid et le fait de faire les adorations et de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous a obligés de faire pilier de l'islam, ou bien obligation, on devra le faire, même si c'est une obligation, ce n'est pas un pilier de l'islam. Si ce n'est pas une obligation, si ce n'est pas un pilier de l'islam, et c'est une obligation, ça c'est un manque de notre tawhid. Ça c'est une faiblesse dans notre tawhid si on ne le fait pas. Et on sera considéré pécheur et yawm al-qiyama, on viendra et on rendra des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-bara'atu min ash-shirk, ça c'est la troisième catégorie qui forme notre islam. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Et le fait de se désavouer du shirk et des gens du shirk, c'est les mushrikin. Le fait de se désavouer de ces gens-là, le fait de détester ash-shirk qu'ils commettent et de détester les mushrikin tant qu'ils sont mushrikin, le fait de détester leurs actes et de détester ces personnes-là. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne leur fera pas une da'wah. Ceci ne veut pas dire qu'on ne fera pas une da'wah par la meilleure manière et par la bonne manière pour qu'ils acceptent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que c'est des mushrikines qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Alors à ce moment-là, on leur fait une da'wah par la meilleure manière, par la bonne manière, et on aimera du bien pour ces gens-là pour qu'ils deviennent
croyants pareils que nous et pour qu'ils gagnent le paradis, inshallah ta'ala. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlih, ça on viendra inshallah ta'ala dans les cours qui viennent sur concernant al bara'a min ash-shirki wa ahlihi. Al wala'u, c'est ce qu'on appelle al wala'u wal bara'a. Là on parle de al bara'a, c'est le fait de se désavouer des mushrikin. Na'am. هذا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Si vous avez inshallah ta'ala des questions, vous pouvez les écrire là à ce moment-là, parce que je vais les récupérer par la suite inshallah ta'ala. Je ne pourrai répondre sur le champ maintenant, mais vous pourrez les écrire sur l'écran inshallah ta'ala et je les récupérerai. Et la prochaine fois, inshallah ta'ala, le prochain cours, bi'idnillah ta'ala, à la fin du cours, je répondrai à ces questions-là et vous préparez les questions prochaines et ainsi de suite. On va se relier sur les questions et réponses. Je répondrai chaque cours qui suivra sur les questions passées. Inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.